Et yop les gens, on se retrouve pour le troisième épisode de One Week One Prank. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle prank, mais aussi pour un petit tuto construction maison de survie rapidement, comme ça. Non, en vrai, on va faire un bâtiment assez rapidement qui peut être utilisé à des fins après décoratives. Je vais prendre un endroit plat, ça sera mieux, plus loin. Donc, qui peut être utilisé à des fins décoratives, mais que c'est pas son but premier. Ça peut être aussi donc utilisé comme prank, comme prank, putain. Comme prank, vu que c'est, bah après faut le détruire. Et aussi, vous pouvez vous en servir pour faire un phallus géant. Mais bon, ça c'est autre chose. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il faut faire. On prend quoi comme endroit? Il n'y a pas d'endroit vraiment plat. Là, si on rajoute un peu de stone. Ouais, c'est pas plat. On se barre plus loin sinon. On va se mettre là. Alors, d'abord, vous êtes monté, vu qu'en fait, on va faire une tour. Après. La hauteur de la tour, c'est à vous de décider. Moi, je vais pas monter très haut, je vais monter, allez, peut-être, voilà. De ça seulement pour éviter, vu que sinon, ça, elle va durer plus de temps à se construire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la hauteur à laquelle vous montez, ça sera la hauteur de votre tour. Donc, plus vous montez haut, mieux, bah, plus ça sera fatigant. Et vous, ça vous fatiguera pas énormément plus pour la construire. Donc, c'est pas mal. Après, vous faites une plateforme. Généralement, je crois que je fais 5. 5, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça fait quand même de l'espace. Peut-être qu'il y en a qui se sont déjà amusés à la faire, hein, j'en sais rien. Tout cas, c'est limite en fait une des. Vous pouvez même faire limite ça comme base de départ. Après, je sais pas si vraiment c'est une base de départ, mais comme maison. En tout cas, je sais qu'il y en a certains qui seraient capables. Donc, je mets ça ici. Je prends de la lave. Il faut donc de la stone pour faire le support. N'importe quel bloc en vrai, on s'en fiche. De la lave, de l'eau, et c'est tout. Et c'est tout. Donc, vous mettez de la lave partout sur le support. En vrai, c'est pas vraiment obligé, mais moi je dis c'est quand même mieux de le faire. Ça vous permet un meilleur maintien, on va dire, de une meilleure base. Par contre, ça. Je veux pas de cette source de lave. Après, faut regarder en fonction d'où va la lave pour remplir bien. En dessous. Ici. 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 Là. Normalement, ça fait. Là, c'est à peu près bon. Là. Ici, ici, et voilà. Normalement, c'est bon, c'est homogène. Ouais, j'ai l'impression. Ensuite, donc déjà, vous attendez que ça descende jusqu'en bas. Si vous avez besoin de monter en haut de ça pour monter et redescendre, avec des élytras, c'est assez simple, avec la technique de l'arc qui vous propulse en l'air, vous pouvez remonter facilement à 100 blocs, vous pourrez remonter là-haut. Donc, une fois que c'est descendu en bas et que c'est comme ça, vous mettez de l'eau. Et vous laissez l'eau couler. Voilà, quelques lacs par contre, bah, c'est ce qui est normal. Ok. Une fois que c'est ça, vous allez me dire, ah, mais t'es bête, ça a coupé les sources de lave, etc. Et oui, mais c'est fait exprès. Justement. Est-ce que ça fait une première base? Ouais, ça fait une première base. Ce qui est pas mal.
Si vous voulez, vous pouvez venir remplir. Par contre, je vais prendre de la cobble, ça sera mieux. C'est le petit moment déco, on va dire, du truc. C'est à peu près que ça. Et voilà, ça vous fait une première base. Ensuite, vous revenez et vous prenez vos seaux de lave et vous les placez en dessous. Pour placer, au pire, vous faites une petite plateforme. Donc, ça demande quand même pas mal de seaux de lave à faire. Et bon, il vous faut juste, je sais pas, peut-être 20 seaux, ça suffit largement. 20 seaux de lave, ça revient à un stack de fer. C'est franchement pas la mort. Voilà. Ensuite, maintenant vous laissez couler. Alors comme vous remarquez, ça coule à deux endroits différents. C'est normal. Totalement normal. Et on va laisser attendre. C'est pour ça que j'ai pas fait très haut, vu que sinon faut attendre beaucoup plus longtemps que la lave tombe, que l'eau retombe par-dessus. Donc au final, ça devient limite un casse-tête. Donc bah ça franchement non, ça devient pas un casse-tête, mais c'est pour la vidéo, pour éviter que vous ayez du temps à attendre dans ce style. Bon, vous êtes pas obligé d'attendre que ça aille en bas, hein. Là, vous pouvez mettre directement le seau d'eau. De nouveau, même endroit, comme ça va partout. Et là, ça fait boum, la cobble. Et voilà, ça construit votre tour. Suffit d'attendre. Donc, imaginez le mec, il a une maison à côté. Ou sinon, s'il fait des tours, vous lui faites une vieille tour dégueulasse en cobble dans ce style. Ça peut être une bonne prank, hein, franchement. Puis même, j'imagine, s'il a sa maison et tout, et puis tu mets un gros pylône comme ça à côté de sa maison. Je sais pas, moi, je trouve que c'est une bonne prank. Par contre, là, ça fait un peu n'importe quoi. Ouais, bon, bah, je verrai. De toute façon, après, vous remodifiez la base, hein, c'est pas très grave. Je ferai ça à la fin. Et puis pour les plus kikous, hein, et deux petites boules, et puis ça fait un phallus. Bon, enfin bref, ça, j'en parle pas. De toute façon, ils ont assez d'imagination, ceux-là. Alors là. Bon, là, on peut couper l'eau. Ça fait la tour. Maintenant, vous allez à l'intérieur. Il y a de la stone, c'est la stone que vous avez posée à la base, hein, c'est normal, pour soutenir le truc. Vous cassez la stone. Ça va faire un truc comme ça, c'est normal. Vous cassez la stone. Touk. Ça prend pas beaucoup de temps. Et là, vous refaites une autre plateforme. Par contre, il me faut le point central. Il est où le point central? Ah bah ok, c'est celui que j'ai cassé. Nickel. Pas ça par contre. L'eau, ouais. De toute façon, après, vous allez en remettre. Donc, comme ça, vous faites une petite plateforme. Et moi, je vais laisser un espace pour pouvoir ressortir. Et vous allez jusque-là. Vous allez pas jusqu'au bout. Vous arrêtez un bloc avant. En fait, c'est vous allez remettre de l'eau au milieu. Et là, l'eau va recouler, ça va recréer une autre couche de cobble. Ce qui va en fait emprisonner, on va dire, à moitié entre deux couches de cobble, la lave, la source de lave. Donc, ce qui vous fait quand même une bonne protection. Bah déjà, les mobs, ils peuvent pas passer, même si vous faites même s'il y a un creeper qui vient exploser la cobble. Tac, tac. Et voilà. Donc là, on peut sortir. Puis maintenant, vous mettez une source d'eau et vous laissez faire la magie opérée. Vous avez entendu. On va se même mettre en slash game mode 3. Et là, vous attendez. Et voilà. Bon, là, ça vous fait une petite base. Limite, vous vous en fichez.
Dès que c'est fait, vous recassez la plateforme. Dès que tout est fait, et vous killez la source d'eau, et puis c'est bon. Et regardez, la tour, elle est finie. En fait, on a l'impression qu'il y a un peu de relief quand même, vu que c'est en diagonale. Alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. C'est juste des trucs tout droits comme ça. Hein. Donc voilà, en même temps, c'était pour ça que je disais petit tuto bâtiment. Pour les Portugais. Je rigole bien sûr, hein. On les aime les Portugais. Alors, game mode 1. Je sais pas si ça arrive jusqu'en bas. En attendant, pour être sûr, je vais refaire ça. Tac, tac. Chaque fois, ça sort d'un. C'est ça. Sérieusement, je pose le saut de lave, il se barre lui. Meurs. Voilà. Ouais, si, c'est comme ça, ok. Bon là, ça arrivait jusqu'en bas. Au pire, je vais pas tout faire. Je vais pas tout refaire, vous voyez. Ça donne un truc dans le genre. Je vais killer la source d'eau, casser la plateforme et ça sera fini. Sinon, donc moi j'ai déjà fait des tests bien évidemment pour cette tour. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pour comme aménagement à l'intérieur ou comme escalier qui est assez simple et qui marche pas mal. Et qu'en fait on peut pas vraiment faire d'aménagement à l'intérieur sauf si en fait c'est pas assez large. Donc j'ai limite en fait faut refaire après un truc au-dessus, ça c'est l'escalier qui monte, limite comme un ascenseur. Si vous savez faire des ascenseurs en redstone, vous en faites un là, et puis ça marche bien. Alors, on casse ça, on bloque la source, on bloque la source, on bloque la source, mais on va monter plus haut. Tac. Si vous voulez laisser les murs sur les côtés de là, vous pouvez laisser. Mais évidemment, de toute façon, après, personne ne vous oblige de faire des choses. Ça pour égaliser. Et voilà, la tour est finie. Donc, je vous retrouve rapidement sur mon autre monde où j'ai déjà fait le test de la tour avec l'escalier. Et puis, on se dira au revoir pour l'épisode. Donc on se retrouve sur le monde où j'ai fait la tour. Bon, il y a d'autres choses là-bas, mais je vous montre pas vu que c'est pour d'autres projets top secret. Donc, celle-là fait 200 blocs de hauteur, je crois. Puis voilà, ça donne quoi. Donc les escaliers, vous mettez 2 en diagonale, puis un T, moitié, puis 3, puis 2, puis de nouveau T, 3, 2, et au final quand on les monte. Ça se fait plutôt pas mal. Comme éclairage, après, oui, j'ai ouvert de temps en temps en fait pour qu'on puisse voir la lave avec des vitraux orange. Ça fait pas mal, ça fait un peu la tour de l'enfer, la tour de Sauron. Bon, après, la tour de Sauron, il y a une ville et tout. Donc voilà, si vous voulez descendre, boum, vous mettez des slime blocks. Et puis au-dessus, c'est libre à votre créativité si vous voulez en faire une base. Bah là, bah c'est une prank, c'est moi je la présente comme prank. Donc bon voilà. Puis
Si, oui, ça c'était pour monter sur le toit. Hop. On n'a rien vu. Bon, allez. Je vous laisse là avant de montrer trop de trucs. On se retrouve pour un prochain épisode. Allez, bye!